Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Nuance Reborn. Aujourd'hui, nous allons tout simplement traiter un thème. Wow! Vous avez vu dans le titre? Il a vu Satan, il a vu Dieu attaquer Satan et à côté, tout simplement, le combat spirituel. Pourquoi dit-on il a vu Satan? Ok, pourquoi dit-on il a vu? En fait, c'est un témoignage, c'est tout simplement sur Nuance Reborn principale, notre chaîne principale. Ceci est Nyang Sukubon. Vous pouvez aller sur Nyang Sukubon tout court, où vous verrez un témoignage qui traite ce sujet-là. Il a vu Dieu attaquer Satan. Waouh! Bien, toute cette histoire est résumée par le petit thème qui est à côté là, un combat spirituel. C'est quoi un combat spirituel? Les amis, pour être tout court, pour aller tout simple, c'est un combat, c'est le combat de l'esprit. Ou bien, c'est ça, non? Oui. Le combat qui est mené spirituellement par des gens qu'on ne peut pas voir avec les yeux physiques, c'est un combat spirituel. C'est ça la définition d'un combat spirituel de façon très simple. Ok? Bien. Maintenant, il a vu Satan. C'est un témoignage que je vais vous raconter après. Mais traitons un peu le sujet du combat spirituel et après nous allons aborder le sujet de l'autre côté. Ok? C'est parti. Le combat spirituel ou encore un combat qui a lieu dans le monde des esprits entre deux entités, tout simplement les entités qui se trouvent avec ceux qui sont du juste et ceux qui sont du méchant. Écoutez bien. Sur la terre, il y a deux types de personnes, ceux qui sont bien et ceux qui sont mauvais. Et ceux qui sont mauvais sont soutenus par des démons. On va aller tout droit, par les esprits mauvais. Parce que ce sont ces esprits-là même qui les animent. Et tout leur comportement sera manifeste, là, le résultat du comportement de ces esprits qui les animent, ok? Et du côté des chrétiens, eux sont animés par l'Esprit de Dieu. Et ils sont protégés par qui? Des anges, les anges de Dieu, l'armée céleste. Et à un moment donné, il y a un combat. Et ce combat-là oppose les anges aux démons. Et comment ça se passe? C'est là que je vais vous expliquer maintenant dans le témoignage qui est là. Il a vu Dieu attaquer Satan. Que s'est-il passé dans ce témoignage? Allons-y maintenant, apprêtez-vous. Ça va être chaud. On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Sautez un peu, bougez un peu, sautez un peu. Ok, nous sommes prêts. Quand tu es venu sur la terre, tu n'étais pas chrétien. Après, tu es devenu chrétien. Voici des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Tous les chrétiens sont protégés par des anges. Mais voici qu'un jour, Satan va déléguer ses sorciers, ses agents, pour attaquer qui? Attaquer des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Et quand le diable a amené ses agents là-bas, ils sont allés en esprit. C'est-à-dire, c'est pas avec leur corps physique, c'est tout simplement en esprit. Et quand ils sont arrivés là-bas sur le terrain, d'abord, ils ont vu ces gens à l'église en train de prier. Ok? Ils priaient tout simplement, comme tout le monde peut prier à l'église. Et quand ils ont fait sortir des armes, les armes qu'ils ont en esprit, ce sont des armes comme nous les avons, hein, les flèches, les épées, toutes ces choses. Comme les armes, mais ce sont des armes de l'époque primitive, genre à l'époque des Romains. Ce sont de telles armes qu'ils utilisent en général. Et ils voulaient attaquer maintenant les enfants de Dieu qui étaient en prière. Que va-t-il se passer? Dès qu'ils ont eu l'intention d'attaquer, une armée céleste, c'est-à-dire des anges sont descendus du ciel en colère, en fureur. C'était chaud, les amis. Et ils ont été tabassés sérieusement. Au point où ils ont fui. Ils ont tous fui. Waouh! Ils ont fui. Et que va-t-il se passer? Quand ils ont fui, ils sont allés dans le monde des ténèbres, croiser qui? Satan. Et Satan leur a dit, ils ont expliqué à Satan, ils ont fait le compte rendu. Et Satan leur a demandé de retourner là-bas. Quand ils y sont retournés, ils arrivent encore, ils ont vu tout simplement que le lieu où se trouvaient les chrétiens
il n'y avait plus de chrétiens, c'est-à-dire c'était vide, c'était un endroit, c'était comme de l'eau qui était là. Ok? C'est-à-dire si c'était une maison, la maison s'est transformée en eau. Et vous voyez de l'eau, au lieu de voir une maison naturelle et des gens à l'intérieur. Ils disent, mais wow! Ils sont alors retournés chez Satan. Satan dit, attaquez, forcément, attaquez dans le vide, même si c'est l'eau, lancez les flèches là-bas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont retournés. Ils voient encore le vide. Mais l'un d'entre eux, celui qui a raconté ce songe en question, qui se trouve sur notre chaîne principale, Nyans Reborn, regardez comment ça s'écrit dans la description, Nyans Reborn. Il dit, quand ils sont allés là-bas, qu'ils voulaient attaquer maintenant, alors là, ce qui s'est passé, une armée céleste est apparue, encore, là, face à face, et la guerre a commencé. Il y a eu même des morts dans leur camp, et ils ont fui, ils ont été obligés de fuir puisque cette armée était plus forte qu'eux. Alors, que s'est-il passé par la suite? Ils se sont rendus chez Satan pour faire le compte rendu. Maintenant, c'est là que tout va se passer. Quand il est arrivé, celui-là même qui rend le témoignage, qui est tout sur la chaîne principale, rien ne se répond. Quand il est arrivé, ils ont vu quelque chose de très étrange qui va marquer son esprit. C'est que le trône de Satan était en feu et le diable lui-même était tombé. Il était inconscient. Pendant 5 minutes, il était inconscient. Ça veut dire quoi? Que Dieu lui-même attaquait Satan à distance. Donc, les attaques qui ont lieu dans les églises, où nous disons feu, 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 ce n'est pas n'importe quel feu. Ce sont effectivement des feux qui arrivent dans le monde des ténèbres qui créent des dégâts. C'est pourquoi toi, mon ami, qui est seul à la maison, qui prie beaucoup, tu es combattu. Faut pas t'étonner. Faut pas t'étonner. S'il y a un sorcier dans ta famille, et que toi, tu pries, tu vas déranger Satan. Et Satan sera obligé de faire quoi? De dire à ce sorcier de te combattre. Donc, tu vas voir qu'il va créer n'importe quel combat. C'est-à-dire, tu appelles comme ça, il bouge à gauche. Tu fais comme ça, il bouge à gauche. Tu dis ceci, il dit cela. Tu ne sais pas pourquoi il te combat, mais tu te poses la question. Mais c'est parce qu'il y a un combat sérieux qui a lieu dans le monde des ténèbres à cause de ta prière, mon ami, mon frère, ma soeur. Il y a un combat spirituel qui a lieu et c'est sérieux. Et je tiens à dire quelque chose à quelqu'un. Si toi tu es là, tu dis non, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, tu n'es pas ceci, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas comme ça, que tu es neutre. Mon ami, si tu es neutre, il faut savoir immédiatement que tu appartiens à Satan. Parce que c'est lui qui gère les gens qui sont neutres. Ouais. C'est la vérité, c'est ce qu'on vous dit. Hein? C'est pas de la frime. C'est un combat sérieux qui a lieu. Et le témoignage qui se trouve sur Nyans Reborn, notre chaîne principale, va vous expliquer au mieux ce qui se passe. Dans la description, le lien sera là avec le titre de la vidéo. Le lien direct vers cette chaîne où vous pourrez tout simplement aller la regarder. Surtout, prie avant de regarder la vidéo, dis Seigneur Jésus-Christ, répands ton sang sur moi, protège-moi, garde-moi contre toutes les attaques des sorciers, contre toutes les attaques de Satan lui-même, et que toi-même tu sois avec moi pour me protéger, tu rends ce témoignage que je vais écouter. Amen. Faites ceci et lancez le témoignage. Maintenant, si vous constatez qu'après avoir écouté ce témoignage, quelqu'un vient auprès de vous, vous dites non, ce n'est pas bien, ce que tu as écouté, c'est faux, c'est ceci. Les amis, faites attention. Quand vous écoutez ce témoignage, sachez immédiatement que le diable est au courant et il va faire quoi? Il va déléguer ses agents qu'il va envoyer vers vous et pour essayer de brouiller votre esprit. Ne soyez pas perturbés. Rentrez encore dans votre champ, dis Seigneur, aide-moi clairement à comprendre ce message. Donne-moi la clarté de ta pensée. Est-ce que ce message vient de toi? Explique-moi. Et prends ta Bible ou ta Bible au hasard, mets ta main quelque part et le Seigneur lui-même sera capable de te parler. Il parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va te parler par diverses manières, tu vas comprendre. Mais il faut être vraiment, il faut vraiment demander l'esprit de discernement parce que le diable travaille. Il faut être très vigilant surtout dans ces derniers temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la toute prochaine vidéo. C'est une nouvelle chaîne Nyans Reborn 2. Abonnez-vous. Merci également de vous être abonné sur la chaîne principale Nyans Reborn qui se trouve même dans la description, okay, à côté de la vidéo. Et que Dieu vous protège, que Dieu nous bénisse, qu'il nous protège tous surtout. Et faites attention surtout qu'il y a un grand combat qui a lieu en ces fins d'année.